Je t'avais dit de pas t'inquiéter. Max. Tiens bon, mon vieux, j'arrive. Hey. Jacob. Pourquoi tu m'as pas écouté? Suffira. Ok, on va vous sortir de là. Le manifeste dit que vous preniez des marchandises du hangar. On n'a pas beaucoup de freelance par ici. Je fais que mon boulot. C'est sûr. Régulateur thermique activé. C'est le premier vaisseau que je perds. Elle a été abordée par elle. C'est elle qui... Calme-toi un peu, le pilote. Tu fais ton travail. Laisse-moi faire le mien, d'accord? Monsieur? Oui, monsieur. D'accord, entendu. Prends-le aussi. Vous faites quoi, là? Hey! J'ai rien fait du tout!
Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour mon ultime vidéo test gameplay découverte pour consolefun.fr. Restez avec moi jusqu'à la fin, j'aurai quelques mots à vous dire. On se retrouve avec The Callisto Protocol sur PlayStation 5, édité et développé par Striking Distance Studio, sorti officiel le 2 décembre 2022, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. 18 ans et même beaucoup plus. Ce jeu se veut si gore et violent qu'il a été interdit dans plusieurs pays, notamment le Japon. Pas de note sur 20 à l'heure actuelle vu que le test est fait légèrement en avance, les sites communautaires lui attribueront une note bien plus tard je pense. Nous incarnons donc Jacob, un pilote de vaisseau spatial qui s'échoue sur Callisto, l'une des nombreuses lunes de la géante gazeuse Jupiter. Nous sommes en 2320 et nous nous retrouvons prisonniers du pénitencier de Black Iron. En tant que prisonnier, on s'est fait injecter, incrusté dans la nuque, comme vous pouvez le voir, le corps, C-O-R-E. Une sorte de capteur biométrique qui nous permet, en termes d'ATH, d'observer la vie du protagoniste. C'est très Dead Space-like, vu que le jeu se veut comme le digne descendant du jeu de la firme Dead Space. La barre de vie est indiquée au niveau de la nuque et va se rétrécir en son centre. A vous de trouver différents objets et même Steampack pour pouvoir vous injecter des points de vie et pouvoir rester, bien entendu, le plus longtemps apte à faire face à cette invasion de monstres aliens qui n'arrivera qu'en surnombre, dont le seul et unique but de clairement vous bouffer la gueule. Un léger, moyen ou gros point négatif en fonction de votre tolérance à l'épilepsie photosensible. C'est un jeu où est-ce qu'il y aura beaucoup de clignotements, certes cela forcera grandement l'immersion, mais je dois vous avouer que même pour ma part, qui étant quand même un joueur plutôt avéré dans les jeux vidéo, j'ai parfois quand même du mal à ne pas plisser des yeux dans certaines scènes de peur de terminer aveugle. Enfin, je pense que vous le verrez de vous-même, je me suis grandement spoilé sur le jeu et vu de nombreux trailers, et je sais que les premières missions nous réservent ce genre d'ambiance. J'en ai un autre. Ok, donc. On esquive gauche ou droite, et des séances de QTE durant les combats. Le tuto est très très game assist, mais mon dieu qu'il est gore et violent, effectivement. Oh, c'était à moi de... autant pour moi. 3 assists, je me suis reposé sur mes lauriers, je pensais que j'allais avoir un bullet time qui allait m'indiquer quand esquiver. J'ai pas encore pris le pli, mais j'espère que ça viendra avec le temps. Enfin voilà, après, un point positif quand même, le jeu est doublé en français et la VF est quand même plutôt bonne, même si j'ai pu remarquer que la synchronisation labiale était un peu aux fraises. Les gens ont terminé de parler dans les autres langues. Ouais, ça tu me l'as déjà expliqué. Pour les esquives, ok. Ouais, d'accord. Très bien. Donc comme je disais, si vous ne choisissez pas l'anglais, ben vous allez voir une synchro labiale sur les autres langues qui est un peu dans les choux, quoi. Ils ont terminé de parler et pourtant la bouche parle encore, ou c'est l'inverse, leur bouche reste fermée et il y a encore du dialogue. Cette porte est HS, la console répond pas. Là-bas j'ai vu quelque chose. Ça m'a attaqué, ça avait pas l'air humain. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que j'ai vu. Cet endroit peut vraiment te rendre dingue, mais on a une chance. Quoi que t'aies vu, c'est une raison de plus pour foutre le camp d'ici. Tu vois la tour de garde? Ouais. C'est notre premier arrêt. Retrouve-moi là-bas. Comment? L'ascenseur est de ce côté. Prends-le jusqu'au niveau suivant. Je te recontacte. Compris. Scénaristiquement, et les cinématiques d'ambiance étant très très propres, normalement Jacob est vêtu de l'uniforme orange des prisonniers. Si vous obtenez l'édition Day One du jeu, vous devriez... Vous devriez obtenir la tenue rétro que je porte actuellement.
Bon, au final, les esquives sont... Ça va. Quand on prend le pli, ça va. Faut juste vraiment montrer le joystick quelques secondes avant la gestuelle, l'attaque de l'adversaire. Est-ce que tu as quelque chose? Non. Faut croire que non. Jacob, tu m'entends? Oui. Mais comment? J'ai activé la... On continue, mais c'est à se demander, par rapport à ce combat, j'ai eu un léger senti. Est-ce que l'angle de la caméra durant les fights, quand on est contre un mur, est-ce qu'elle va pas un peu partir n'importe où? On verra ça. L'ambiance est incroyable, le son ambiant est génial. Bien entendu, vous aurez quelques screamers, mais ce jeu ne se veut pas jeu horreur pour autant. Enfin, je parle de jeu horreur qui veut vraiment vous faire peur. On est plus vraiment dans un jeu type horreur slasher. C'est, vous savez, un petit peu les films d'horreur à la Saw, qui sont pas vraiment là pour faire peur, mais qui montrent l'horreur des situations. Non, ça va. L'esquive, quand même, est assez simple. A savoir que le jeu peut quand même énormément vous aider, en plus de 3 niveaux de difficulté. Ah, oh, c'est les Steam Packs, ça. Parfait. Enfin, j'appelle ça un Steam Pack. C'est des injecteurs pour vous remettre la vie, comme je vous l'ai dit précédemment. Et ce sera, ok, la flèche du bas à maintenir. Voilà qui fait du bien. Bref, comme je le disais, en plus de 3 niveaux de difficulté, le jeu peut vraiment vous proposer un gros game assist. Vous pouvez simplifier les esquives, les attaques, le jeu peut vous accompagner pour faire le gameplay limite à votre place. Si vous n'êtes pas vraiment un gros joueur téméraire qui aime la difficulté dans les jeux vidéo, vous pouvez le suivre tout autant scénaristiquement, du point de vue lore historique que le jeu vous amène, plutôt que passer votre temps sur des phases de gameplay, de combat et de bourrinage en tout genre. Tu peux toujours atteindre la tour de garde, juste par le chemin le plus long. Ah ouais, mais fais gaffe, l'ambiance a grave changé. Garde les plus allumés en bas. Évidemment, mais c'était sûr. Le corps qui se fait embarquer, typique. Vous ne m'aurez pas comme ça, c'est pas comme ça que je vais sursauter. Qui c'est? J'ai entendu une voix qui m'a appelé. Ah, j'aurais trouvé ça très stylé qu'il apparaisse dans le brouillard. J'ai entendu mon copilote m'appeler. Le fait d'atteindre... Bon, certes, c'est un temps de chargement dynamique quand la porte s'ouvre. Mais je m'attends tellement à ce qu'il y en ait un qui me saute sur la gueule à ce moment-là. Bon voilà, je prenais un petit peu mon temps pour fouiller, et au final, ouais, être curieux, ça va vous récompenser. Bon allez, je vais un petit peu fouiller, on se retrouve juste après. Qu'est-ce que je disais? Forcément, un screamer quand on ouvre la porte, forcément. Ouais! Il s'est fait aspirer par la trappe ou il y est allé ultra vite? C'est trop bien! Bon, dans ces moments-là, jamais regarder derrière soi, hein, on avance. Le jeu se déroule aussi sous la forme de chapitres. Quand vous allez passer d'une porte à l'autre, il se peut que le nom du chapitre apparaisse en plein milieu devant l'écran et montre en fait que vous poursuivez la progression de votre jeu. Il était transformé en ce truc. Il m'a attaqué. Non. Non, mais... J'ai dû le descendre. Descendre bon. Ce truc. Bon, moi je récupère un peu de sous-sous. Bien entendu, un système d'upgrade sera présent dès que je serai devant... Une espèce de fonderie, de forge qui me permettra d'améliorer mes équipements. Je prendrai quelques secondes pour vous le montrer. Ah, ok. Désolé, j'ai pas de seau d'eau, mais j'ai une pioche.
Est-ce qu'ils nous font plus mal s'ils nous attrapent alors qu'ils sont en feu? Est-ce qu'on va prendre des dégâts sur la durée si on se fait choper par une torche? Bon, personnellement, j'ai pas vraiment envie de le savoir, mon but c'est pas de crever. Par contre, je vous conseille, si je ne meurs pas pendant le gameplay, allez sur YouTube et regardez les compilations de morts de Jacob quand il se fait choper. J'ai jamais vu plus brutal. Je pensais que le plus brutal qui m'était donné de voir dans ma vie, c'est outre les finishim de Mortal Kombat, c'est quand Joel se fait ouvrir la gueule en deux par le claqueur. Mais là, c'est clairement pire. C'est limite, face à Jacob, Joel, lui, fait de l'humanitaire. Quoi. Bon. On se sent toujours mieux quand on a plusieurs Steam Packs avec soi pour pouvoir se remettre de la vie. Bizarrement, je crois que je suis en normal. Je sais même pas si je l'ai mis en facile histoire de le rusher plus rapidement. Mais je trouve que quand on prend un coup, on en perd vachement de la vie. J'essaie de contrer en mettant le joystick vers l'arrière, mais j'ai pas l'impression qu'il bloque l'attaque. Parce que je me vois perdre un peu de vie quand même. Ah oui, non, là il a bloqué, ouais. J'ai vu la main tenir son arme. Oh! Oh, bordel! Putain, il attendait son tour, lui! Putain, c'est quoi ce jeu? C'est Batman, en fait, les gars attendent que tu les... Oh, mais où? Oh, ils attendent tous un après l'autre, là! C'est quoi ce truc? Ils arrivent dans l'angle mort de la caméra, là! Toi, tu dégages, là! Oh! Oh! Oh, je lui ai ouvert la tête comme un livre, le pauvre! Oh, bordel! Cette violence! Incroyable. Par contre, je pense que vous l'avez remarqué quand même. Hein. Selon la position où je me situe, j'avais pas complètement tort sur l'idée de la caméra qui est un peu aux fraises quand je suis contre un mur. Elle sait pas trop où se placer, elle me fait des 180 bizarres pour que je reste quand même l'acteur principal en termes de visibilité dans l'angle de la caméra, mais c'est pas... Ça offre son petit lot de problèmes quand même. Moi, je suis arrivé au bureau de ce fameux soi-disant directeur de la prison. Ce que j'attends, il y a une cinématique qui s'enclenche. Est-ce qu'il y a autre chose à faire là-bas? Oh ben voilà. Toi. Comment t'es entré ici, putain? Moi j'ai le temps pour ces conneries! Bon, très bien. Laisse-moi récapituler. Tu t'écrases ici, et cet endroit tombe en ruine. Oh, 5-2-1! Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est Sam Witwer. C'est l'acteur qui a fait Galen Marek dans Le Pouvoir de la Force ou Deacon St. John dans Days Gone. C'est mon royaume! À toi! Bon, ben ça avait le mérite d'être clair. Il s'est fait embarquer le pauvre, il s'est fait défenestrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était là. Et ces choses l'ont fait. Eh ben, t'es plus coriace que je le pensais. Son rire me tue à Elias. Ouais, donc voilà, il est. Ce gars-là était équipé d'un gant qui, pour tous les gars qui sont équipés d'un corps dans leur corps, bah, il peut faire appel à de la télékinésie pour nous choper, nous manipuler. Mais j'ai vu dans diverses vidéos que ce gant permet autant de choper des objets que les ennemis directement. Donc ce sera pas plus mal, je pense qu'on va le récupérer dans pas longtemps. Encore heureux que je n'ai pas affaire à ce genre de robot parce que... T'as plus de raison de... Oh! De penser de finir en chili con carne. Eh mais il est super rapide lui là-haut.
Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ceux qui ont des pustules, ils sont juste plus vifs, ils peuvent enchaîner deux coups à la fois. Ah voilà, vous voyez quand je vous parlais d'épilepsie là, là on y est là, là on y est bien dedans. Ah c'est horrible. Bon ça aussi c'était horrible, mais bon je vous l'ai dit, on est sur un jeu bien violent. Mais là le côté épileptique là c'est ça me file des mal de cabine. Je commence à être trop vieux pour ces conneries. Ah, mais c'est qu'il a l'air de faire bon vivre ici. Je voulais économiser mes steams, mais là, vu la dégaine de la salle, ça me donne pas du tout envie, quoi. Je suis pas du tout serein. Jacob, t'as réussi. J'ai eu un mal fou à rejoindre le SHU. Je vais ouvrir l'ascenseur de maintenance. Ça te permettra de monter, ok? Et il faut aussi que je trouve des batteries pour le gant télékinétique que j'ai enfin trouvé. On dirait qu'il est HS. Rentre dedans, je peux le contrôler d'ici. T'es sûr de ça? Je vais te faire descendre en douceur. Les fans ont pas l'air neufs. Elias! J'essaye! Un des moteurs a court-circuité quand j'ai transféré. Arrête la cabine! Arrête-la! Elias! Le système ne répond plus! Tu dois le faire manuellement! Attends, quoi? Comment? Fous quelque chose dans les freins! Dépêche! Jacob, t'es encore là? Ouais, à peine. Je dois vérifier pourquoi le système fait des siennes. Réinitialise le courant en bas et prends l'autre ascenseur. T'y es presque. Un autre ascenseur. Ouais! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, d'accord, ok, oui, faut le buter rapidement. S'il m'amène dans son nid, je suis foutu. Oh, quelle horreur! Mais c'est dégueulasse! J'étais resté bloqué sur le système de visée du pistolet, quoi. Ah ouais. T'as plus de tête et tu me frappes! Bon, après, j'allais dire, cherche la logique, mais bon. Tu vas me dire, on est sur Jupiter, hein, qu'est-ce qu'il y a de logique là-bas, quoi. Enfin non, on est sur Callisto, mais non loin de Jupiter. Je joue avec la vie depuis 15 bonnes minutes là, ça fait plaisir de pouvoir retrouver enfin un peu de soin. Oh ben merde, il y avait un Steam Pack ici aussi. Ouais, comme on dit, mieux vaut en avoir trop que pas assez. Là ça m'en fait un de rab, c'est déjà ça. Ouais, j'ai entendu du bruit. Mais il y en a combien là-dedans là? Non mais j'ai pas une autre batterie pour la télékinésie. Est-ce que ça marche ça? Ouais, ça marche, ouais. Oh! Putain, il balance des trucs à distance, lui, là. Ah, mais arrête! Ah non, ok, ouais, qu'une balle à la fois, d'accord. Ah non, je comprends pourquoi les balles, c'est incroyable, en fait. Ça permet de vraiment prendre un... T'es où, toi? Ah, putain, il est en haut.
utilisé, ça permet de prendre un avantage certain. Bon bah, moi qui cherchais à faire le tour. T'es venu à moi pour me faire un gros câlin. Allez, dégage. Hein. Oh non, j'ai pas la range. Oh, il me martyrise. Et voilà, quand on a des balles, on fait moins les malins. Non, ça les flingue vraiment en fait de les démembrer. Ça reprend le même principe que Dead Space quand il fallait buter ces aliens, ou est-ce que justement leur point faible c'était leurs membres. Si vous les transformez en troncs, ben ils crèvent. Quelque chose me dit quand même que ça a l'air d'être la grosse demeure à l'intérieur. De toute façon, on progresse tant bien que mal. Mais je pense que je vais pas en spoiler davantage. Je pense que je vais m'arrêter ici. Parce que quand même, on progresse bien, on débloque des armes. Ça vous permet un petit peu de voir de quoi il en retourne. Oui, mais c'est sur l'alimentation de secours. Je vais devoir passer en manuel. Je peux t'envoyer là-bas. J'active la nacelle. Elle t'aidera à traverser cet endroit. Est-ce que... Oh, ben il y a un établi. Il me semble pas en plus vous avoir montré d'établi. Le choix vous appartient. Voilà, ça je vais pouvoir le vendre, je vais avoir assez cette fois-ci. J'en avais croisé un précédent établi, mais j'avais pas assez de sous. Voilà, augmenter l'arme au corps à corps, forcément, c'est celle qu'on va utiliser le plus. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais surtout tester la nouveauté de cette arme. Avec la perque que je viens de lui débloquer qui fait que je fais plus mal si j'arrive à bloquer un coup. Alors donc du coup joystick vers l'arrière. Maintenant le joystick gauche. Ah d'accord, ok. Bon ben ouais, très bien. Bon ben si elle est bloquée après je ferai plus mal. Ok. Ben ça je vais pouvoir le tester en off. En tout cas, on a pas de temps à perdre, immersion grandiose. Un jeu qui tient ses promesses, franchement je kiffe. Ouais non, là ça a l'air vraiment de puer là-bas. Bah écoutez, je pense qu'on va se stopper ici pour la découverte de ce test gameplay découverte, en espérant donc que The Callisto Protocol vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien tout le monde, et à ciao! Et bien voilà, comme vous l'avez entendu en début de vidéo, il s'agissait de mon ultime vidéo pour consolephone.fr. Mon tout dernier test gameplay découverte. Je profite donc de ces dernières minutes qui me sont accordées pour déjà vous remercier, tous autant que vous êtes. Un immense merci. Sachez que ça fait presque 10 ans, c'était le 13 mai 2013 que j'ai rejoint Console Fun. Et en près de 10 ans, ce n'est pas moins de 225 vidéos, avec celle de Callisto Protocol, que j'ai produites et réalisées pour le site consolephone.fr. Donc, durant ces années, je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû sûrement observer une évolution, mon évolution. En tant que simple chroniqueur écrit chez Code France à l'époque, c'est en regardant les reportages qui avaient été faits pour le Toulouse Game Show, produit par un ancien membre du staff et ami du nom de Xionixes, que l'envie de postuler chez Console Fun m'était venue. J'étais de base... connu grâce à mes vidéos de frag compilation sur Call of Duty, et c'est pour ça que le rapide surnom d'expert des FPS m'avait été donné par notre rédac-chef Titi Boy. Il faut savoir que Console Fun m'a apporté quelque chose qui ne m'avait jamais été attribué avant, le fait que l'on me fasse confiance, le fait qu'on me laisse carte blanche sur l'entièreté de mes vidéos, que ce soit les tests, les gameplays découvertes, sur la totalité de tous mes projets. J'avais fait rapidement comprendre à l'ensemble de la rédaction que le travail fourni de mon côté serait toujours de qualité, parce que je suis très critique envers moi-même, que je suis atteint d'un perfectionnisme sans borne sur le plan professionnel. Je me suis repris à de nombreuses fois pour vous refaire les tests que je publiais. Surtout que comme je fais du direct, les prises, même si elles étaient multiples, ce ne sont jamais réellement les mêmes. Donc... voilà, j'en profite en parlant de la rédaction, comment ne pas prendre quelques secondes sur ces minutes pour remercier ces membres qui m'ont soutenu et épaulé pour
de par leur retour sur quasi chacune de mes vidéos. Mais en plus de 9 ans, c'est même pas des membres, c'est devenu un véritable cercle d'amis qui s'est construit autour de moi. Donc j'ai fait une petite liste, et je précise que cette liste est faite dans l'ordre alphabétique et comporte certaines personnes qui ne travaillent plus aujourd'hui pour le site de Console Fun. Donc je remercie tout particulièrement Antia, Damspeak, Gothic, Mactorius, Nepsi, Steels, Titi Boy, Tox, Troyer, Vesperia, Xionixes et Hugo. Bien sûr, je pourrais aussi citer les autres, ceux qui font partie du clan Fun, qui est l'équipe online de Console Fun, que ce soit les nouveaux streamers hebdomadaires ou même les viewers les plus assidus. Mais d'ailleurs, en parlant des viewers, je vais donc rebondir sur ces derniers, c'est-à-dire vous, les viewers, ceux qui me suivent assidûment, occasionnellement, ou même juste du coin de l'œil. Même peut-être vous, qui êtes tombé par le plus grand des hasards sur cette vidéo et qui me découvrez pour la toute première fois. Eh bien, un grand merci à vous tous. Parce que sans vos retours, je pense que j'aurais l'impression de faire ça pour rien. Sachez que même si je le fais avec passion, YouTube c'est un milieu où il peut arriver à un moment de notre vie, même avec toute la bonne volonté du monde, si on ne trouve pas un vrai moteur pour continuer, on peut tout stopper du jour au lendemain. Donc, merci. Merci à vous, en fait, d'être mon moteur. Peut-être qu'une question doit être en suspens chez les plus curieux. Est-ce que c'est terminé YouTube pour moi? Est-ce que les vidéos, c'est fini? Non, pas vraiment. Oui et non. Je mets juste la casquette de YouTuber au placard quelques instants pour changer de casquette et prendre celle de streamer. D'ici fin décembre, et pour tout 2023, je compte me lancer sur Twitch en tant que streamer, un milieu dont j'avais plus l'occasion d'être spectateur qu'acteur, même s'il m'est arrivé parfois de streamer pour consolefun.fr lors de nos marathons pour le SIDAction, le Téléthon et toute œuvre caritative que l'on a soutenue durant mes 10 années de staff member. Eh bien, je remercie une fois de plus Titi Boy de me laisser cette fameuse carte blanche pour pouvoir, si vous voulez continuer de me suivre, vous avez la possibilité de cliquer sur ces trois liens que je laisse en dessous de la vidéo. Vous avez mon Facebook sur lequel je peux vous tenir au courant des situations, la page Instagram pour suivre l'évolution de mon projet, ce projet de streamer sur lequel je potasse depuis plus de 9 mois. J'ai déménagé pour avoir une pièce dédiée au streaming, une gaming room, complètement aménagée pour l'occasion. Vous pouvez voir son évolution sur Instagram et bien entendu, le dernier et troisième lien, le lien Twitch vers lequel vous allez pouvoir suivre mon évolution durant 2023, là où je ferai mes futurs lives. Bien entendu, je compte rester qu'une simple voix, je ne suis que X Rouge, un acteur de l'ombre, et je me suis entouré de professionnels dans le milieu. Et j'attaque Twitch avec une petite part de mystère. J'ai désormais un visage que vous allez bientôt rencontrer, qui devrait vraiment intéresser plus d'une personne lorsque vous allez le voir en vrai. Mais je ne vais pas vous teaser davantage. Je vous laisse avec un petit cadeau. C'est ma future intro, celle qui m'accompagnera dans mes futurs lives ou dans mes prochaines vidéos que je pourrai poster sur YouTube. Et ce visage, cette forme que je vais prendre, sera désormais celle à laquelle vous aurez affaire durant mes futurs lives. Cette vidéo d'outro est là pour vous dire au revoir, vous dire merci. Et j'espère que l'on se reverra tous très bientôt. Sur ce, je vous dis donc, portez-vous bien tout le monde. Et à ciao.